Ouais, moi je me suis amusé aujourd'hui, c'était plus le contexte qui comptait, c'était l'amusement, c'était pas forcément de gagner ou de perdre. Mais aujourd'hui je me suis éclaté de voir des anciens joueurs, en plus j'étais fan de que ce soit Youri Djorkaeff, Dekarambeu, putain, c'était exceptionnel. Donc moi je me suis régalé, je jouais avec Nordin, Yous, Kharja, ça refait plaisir de rechausser les crampons avec eux. Magnifique, très belle organisation, de toute façon j'avais vraiment pas de doute sur l'organisation de ce Mondialito. Je pense qu'on doit vraiment faire toutes nos félicitations. Je donne mes félicitations à la Fédération Royale Marocaine, à la FIFA aussi, qui nous a permis d'organiser cet événement. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah, dans l'avenir. Donc voilà, je tiens à remercier les deux présidents, que ce soit Gianni Infantino, qui a toujours plaisir à venir au Maroc, et puis c'est Fawzi El Orjaa aussi qui a mis à disposition, et puis Sa Majesté qui a énormément investi dans le football. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on en voit les résultats avec aussi le résultat de l'équipe nationale du Maroc à la Coupe du Monde. Ah, c'est toujours un joueur de foot. Quand il rentre sur le carré vert, c'est toujours pour se donner à fond, même s'il y a moins d'intensité qu'avant. Mais alhamdoulilah, il y a toujours cette petite combativité qui ne nous lâche pas. Donc alhamdoulilah, on est content. C'est Aradi Ada, Tira de la FIFA. Et quand on a un groupe de joueurs qui ont été en train de faire le cours à la LMIA, qui ont été en train de faire le cours à la LMIA, وهنا لكن هنا كتبين بان كاين واحد اللقاء بين اللعابه اللي لعبنا ضدهم اخوه كترجع اخوه ماشي كخصوم.